Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Starfield. Je savais pas trop quoi prendre comme objectif, je suis en train de regarder les quêtes en disant qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Ah, j'ai encore un point. Cool. Alors attendez, déjà on a un point. On a un point, c'est cool. Ah oui, mais c'est un point qu'on se réserve, je crois, pour le crochetage. Pour la sécu. J'ai pas le droit de prendre le rendu dessus, non. Eh ouais, non. Crocheter 15 serreurs, donc c'est pas tout de suite. Ouais, 15 serreurs même, d'ailleurs, c'est vraiment pas tout de suite. On va augmenter notre scanner. Ou pas. Non, attendez, il y a peut-être des choses... Alors, récolter davantage de ressources non organiques communes et peu communes à partir des objets de la surface. Let's go. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, regardons un peu. Alors déjà, est-ce qu'on a quelque chose dans le secteur? Hop. On a des stations spatiales qu'on n'a pas visitées. Ça, c'est Vectra. Quelque chose à en tirer? Scan impossible. D'accord. Ah oui, parce qu'il faut absolument que j'aille la scanner avec... Donc là, on a des stations spatiales. Intéressant. Avec des petites planètes à côté, là. Et des choses qu'on n'a pas visitées. Mais... Ah oui, il y a quelques petites bricoles. Il y a... C'est Alpha du Centaure qu'on connaît, je crois. Iris, je connais pas. Grimson. Oula, je me suis perdu. Ouais, je me suis déjà perdu. Toliman ? Ah, c'est pas Toliman. Donc c'est bien Alpha du Centaure qu'on connaît, ou c'est Sol, c'est Soleil. On a mis le caillou, le Soleil. Avec Mars, et on a une mission tout Mars. Renseignez-vous sur Morin. Bah oui, c'est très bien ça. Parfait. Attends, on va peut-être aller visiter la station spatiale. Non, vas-y, on va aller sur Mars. Vas-y. Mission directe, comme ça on est sûr qu'on va au bon endroit. Nous devons trouver l'avant-garde de Mohara, qui serait en possession d'un artefact. La première fois qu'on l'a vu, il patrouillait dans le système de Sol. Ok. Bah, mettre le cap, hein. Ouais, vas-y. Comment c'est itinéraire inexploré? Ah, et alors? Vous n'avez pas exploré tous les systèmes de cette route. Arrêtez-vous dans un système plus proche. Étoile de bâtard? Allons voir l'étoile de bâtard. Allons voir cette étoile qui m'oblige à m'arrêter et qui porte très bien son nom. Avec le vaisseau spatial aussi, ça serait quand même pas mal qu'on passe à un... Enfin, que je prenne le temps de scanner les lieux, les endroits... Non. Mode scannage. Genre là on scanne, bro. Bien que là on scanne, bro. Magnétosphère. Configurer la cible d'atterrissage. Ah. C'est un caillou. Atterrir sur ce caillou. Allons voir ce caillou. Je m'arrête vite fait, hein. C'est juste pour prendre des nouvelles du caillou, pour voir s'il va bien. S'il a une vie de caillou. Tout ça quoi. Ah, quittez, on est là pour aller regarder. Pas grand chose mon pote, hein. On est là. Ah, il y a vraiment des trucs, hein, sur les planètes, hein. Genre il y a des grottes, des trucs, ça va être que des grottes, hein. Structure. Ah non, il y a une structure.
structure, plaît-il? Let's go. Les trois ressources, on n'en a croisé aucune. Oh, j'adore le chargement du jeu, est incroyable, hein, c'est vraiment... Oh, c'est le Moyen-Âge du chargement, quoi. Ah vraiment, eh, ça chargeait pareil dans Oblivion, et ça a pas changé, hein, c'est vraiment... Ah, de l'eau. De l'eau sous forme de glace. Il reste du plomb et j'ai pas vu le dernier, c'était quoi. Voilà, un petit plomb. De l'hélium. Ah, de l'hélium plus par là, non. Gaz toxique, non, ça va, c'était juste une intoxication, tout va bien. Ok. Je vais attendre de courir parce que je suis en train de me buter tout seul, de m'apercevoir. Je suis trop lourd. Hein? Je suis pas trop lourd normalement. Statut, je suis quoi? Je suis empoisonned. J'ai pris quoi? Froid extrême et neige. Froid ambiant extrême. Ah, ok. Bon, ça va. On court. Donc, on se fait une santé. Attendez. Vous avez entendu ça? C'est l'éclipse. J'adore les environnements à forte gravité. Rien de tel que de déployer deux fois plus d'efforts pour deux fois moins d'efficacité. Je peux pas rentrer. Il doit y avoir un petit panneau pour l'ouvrir. Ah oui, c'est celui-là. Allez, il a été gentil, il est venu se faire abattre. Oh, c'est des porteurs, hein. Oh, le niveau du mec! Mais mec, le niveau que t'as! Il est impressionnant! Niveau 18 au milieu de ces crétins. T'es perdu, mec. Bon bah, je suis mort. C'était grave bien. Et qu'est-ce qu'il fait niveau 18 au milieu des niveaux 5? Je comprends rien. Le mec est un alien. Et qu'est-ce qu'il fait là? Ah, au secours! Et l'autre crétin, hein, qui est resté dehors parce que les portes sont mécanisées. Hein? Ah oui, froid extrême. Ah oui, alors du coup, on va subir. Donc, on a une structure là. Hop, une structure là-bas. On est bon. On va tout droit. Oh non, on va aller les tuer. Hein, c'est... Alors, je sais même pas si j'ai du soin. Je sais pas ce que j'ai. Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai des choses sur moi? L'inventaire a l'air de me dire que tu n'as que dalle. Oui, j'ai que dalle, d'accord. J'ai vraiment que dalle. Ça marche. J'ai donc pas grand chose. Ah, il y a un petit truc là comme ça au loin. Mince. Pour scanner. Ça rame organe. Super.
Super. Ah, c'est une grotte. Ok, ok. On subit un froid extrême. Station, j'ai trouvé du plomb, j'ai trouvé de l'eau. Ok. La température, c'est moins 67 degrés. Ah oui! Gravité 1,8. Ah ouais, quel plaisir. Effectivement, effectivement. Hein. Bon, j'ai gardé quoi? J'ai gardé ça. J'ai. Voilà. La mineuse. Mais la mineuse, je pourrais presque l'enlever des raccourcis en vrai. Oh, on va prendre le piou-piou. Moi, je l'aime bien le piou-piou. Il est rigolo. Oh, bah attends. Hop là. C'est un peu dommage qu'on voit les niveaux dégâts à travers les structures. C'est un petit peu dommage. Ah pareil, ou à la barre de niveau du gaz, je vois pas encore le gaz. Ah mais attends, je peux aussi lui mettre des coups de douce de papa là-dedans. Oh non, le jeu, ça c'est triste. Hein. Ah, c'est bon, il a compris. C'est bon, c'est moins triste. Par contre, la porte à laquelle t'es, on va peut-être y aller... C'est un abattage là où t'es hein. Je t'ai mis en position de mort. Oula. Je vais laisser tirer dessus, elle a très bien s'amuser. Oh vite, des godets vides. Au sol. J'aimerais bien qu'il m'en demande encore les gars. Comment ça va bien se passer? Ah bon, je peux m'asseoir sur un banc. Ok, bon allez. C'est dans la poche. La poche de qui? Ma peau poche. Les serre-tubes, impressionnant. Des crédits, oh là là, elle a plus de crédits. Je prends tout, hein, bien sûr. Hein. On fait comme d'hab, hein. On fait un grand ratissage de tout ce qui traîne. C'est le meilleur moyen d'être sûr de ne rien rater. Ouais, un petit cube, un machin. De bien tirer là-bas. Hein. De bien se régaler. Hein. Des dossiers. Hein. Des dossiers scientifiques hein, qui valent forcément une fortune, c'est sûr. Le vendeur de fournitures de bureau. Le retour. Est-ce qu'il est parti à un moment donné? Non, on ne pense pas. On ne pense pas. Distributeur, ok. Est-ce que j'ai un peu de soin qui traîne? Maintenant que j'ai buté des gars. On a un peu de soin qui traîne. On a du beurre. Ça rend 2 points de vie.
Voilà, mais tout ce que ça coûte cher, quoi. Je mange tellement de l'argent, là. Ah bah c'est parfait. Hop. Un petit casse la croûte. Gain d'expérience augmenté de 1%. Let's go. Oula. En position. Tu vas tout prendre attention. On va voir qui traîne par là. Bonjour. Mission compromise. Il doit y en avoir un. Pousse-toi. Mais pousse-toi. Oh, insupportable. Ah, coup de fusil de papa. Quoi? Maintenant il est par là. Entre bas. T'es foutu. Tu es foutu, oui, mais où? Il est en intérieur ou il est en extérieur, ce con? Ah, j'ai vu, c'est ton pote. Ah, c'est bon, il est là. Oh, pff, j'ai mis deux coups de 12 à côté, vraiment. Je méritais qu'il me dégobe. Hein. Par contre, tu méritais vraiment que je te dégomme. Désolé, mec. Bon. On a pris tout l'XP, hein. Voilà, ils sont tous morts. C'était bien. Qu'est-ce qu'on a On avait l'air d'avoir une Jean-Michel Random Base. De voyageur de l'espace. Oh, cool, un kit de soins. Cool. Mais bon, du coup, on va pas s'en servir. On va chercher un... Un lit fera très bien l'affaire. Oh, des bidons de liqueur. Oh. Oh, ils savaient faire la fête quand même dans l'entrepôt. Hein. Ah, les meilleures soirées, ça devait être les soirées entrepôt là. Ça devait être incroyable. Ça devait être incroyable. Alors, je vais juste fermer ça pour voir s'il y a un ordinateur avec lequel on peut interagir. La réponse est non. Est-ce que je peux prendre quand même ce gobelet? Voilà, merci. Stylo. Ah si, laboratoire de recherche. Ah oui, mais c'est un mini labo pour moi en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un mini labo pour moi. Ok. On complète. Super. Formidable. Il y a d'autres choses qu'on peut compléter. Il y a d'autres choses qu'on peut compléter. Hein. Vas-y, on va pousser sur cuisine du vieux monde. Une épice. Plaisir. Une déco. Ça me fait plaisir aussi. Et les flingues, on peut rien changer. Voilà. On a quasiment fait toutes les recherches qu'on était capable de faire là, à ce niveau-là. Après, je suppose qu'il va falloir dépenser des points dans des compétences scientifiques. Ouah, microscopes, tout le monde sait que ça vaut une blinde. De ciseaux chirurgicaux. Ok, ok. Bon, bah on a fait un bon petit tour de salle ici. Ça, c'est pour ce coin-là. Ok, y a rien qui se prend là-dedans. Ok. Soit. Une boîte. Un gros coffre. Avec du loot. Ah, une porte. Une porte experte. On peut la faire, on peut la faire. Alors. Je te verrai bien entrer dedans, toi. Genre comme ça. Il m'en faudrait 1, 2, 3. Il me faudrait quelque chose comme toi. Et ça. Intéressant.
2, 3, 4, 5, 6. Un 6 branches. Ça ferait toi et quelqu'un d'éclaté? Mais je crois pas qu'on ait quelqu'un d'éclaté. Non, on n'a pas quelqu'un d'éclaté. Est-ce que ce serait plus toi, into... 1, 2, 3, into genre toi. Ça a l'air d'être ça. Et le dernier, Inside Dry. Si c'est pas toi, j'ai perdu. Eh ben, j'ai perdu. Ah non, j'ai pas perdu. Excusez-moi. Je suis médisant avec moi-même. Voilà. J'espère qu'il s'était débrouillé pour une bonne raison. C'est toujours pour des mauvaises raisons, ça m'empêche de looter. Dossier, des marqueurs, un dossier. Ok, ok. Des dossiers, quoi, on adore, hein, c'est... Il y a des crédits qui traînent sur le bureau. Ça aussi, on adore. Moi, je suis très d'accord quand les gens laissent presque 1000 balles sur une table. Un sédatif. Ah. Un pistolet nul. Avec des cartouches nulles. Mallette de munitions. Et sérieusement, c'est vraiment tout. Bah, c'est nul. Ouais, c'est tout, je suis cruel. Je suis cruel mais réaliste. C'était nul. Oh, la lumière est trop. Tac. Avec lesquels on peut interagir, rien du tout. Cadre de bureau, bon, il prend défoncé. Tac, tac, tac. J'ai pas encore trouvé de lit, hein, dans leur station scientifique. Un théodolite. Oh, excusez-moi, hein, d'une valeur 280 balles. Pièce. Oui, parce que je vous ai buté, mais j'ai fouillé les lieux. Non, parce que je me suis contenté de vous liquider, mais j'ai même pas fait. Voilà. La montagne de PQ. Oh là, la montagne de PQ. Ouais, le carton de PQ entier, on va vendre. Hein. Non, mais vraiment, le mec, fourniture générale. Hein. Alors, vous voulez construire un abri? J'ai exactement ce qu'il vous faut. D'ailleurs, c'est presque dommage que le jeu n'ait pas. N'est pas d'humour à ce point-là, parce que je suis à peu près sûr qu'on va devoir construire une base avec nos ressources de métal et tout le bazar. Mais au cas où on est, il va te dire, si tu veux fabriquer une douche, il te faut des rouleaux de PQ. Et là, ça aurait été incroyable. Alors, t'aurais pu choisir de les payer en crédit, mais t'aurais pu choisir de les payer avec ton stockage de soude, quoi. Et ça aurait été incroyable. Je finance le PQ, quoi. Oh, le chien. Le chien chiant. Claque de saucisse. Eh mais c'est ma claque de saucisse, ça, je reconnais, c'est mon chien. C'est mon chien chiant. Que vous entendez en fond. La comète. Monsieur Dubois, on va l'appeler, hein, est connu en tant qu'auteur militant pour les droits civiques et sociologue, entre autres. Mais il a également écrit une nouvelle de science-fiction peu connue. Ce qui suit est un extrait de La comète, écrit en 1920. Très bas sur l'horizon flottait une longue étoile blanche d'une mystique radieuse. Mais je... on l'a déjà lu ça, non? Oui, oui, on l'a déjà lu. Mais c'est vrai que le jeu te fait relire ce que t'as déjà lu, sans aucune pitié, c'est un peu dommage. Tac, une combi. Un jeu société aux frontières du réel, de l'au-delà, de tout ce que tu veux. Des lits, très ok. Carré du cosmos. Publié pour la première fois en 2301, Carrie la cosmique raconte l'histoire de Carrie, une jeune fille en surpoids adorable et sans prétention qui obtient des pouvoirs cosmiques de façon inattendue et les utilise pour défendre les plus faibles et les plus démunis. Le texte qui suit est un extrait de cette œuvre.
Ovrement, demanda Kari en retirant la ceinture de son peignoir. Celui-ci s'ouvrit, révélant son pyjama licorne. Ah, on l'a déjà vu. On l'a déjà. On l'a déjà. Le marchand d'orchidées. Grandes espérances. Le nom de famille de mon père étant Pirip, et mon nom de baptême Philippe, ma langue enfantine ne put jamais former ces deux mots rien de long et de plus explicite que Pip. C'est ainsi que je m'appelais moi-même Pip, et que tout le monde m'appellera Pip. 13e roman de Charles Dickens raconte l'histoire initiatique d'un orphelin prénommé Pip jusqu'à sa maturité, pendant lequel il doit louvoyer parmi les ambitions contraires de ceux qui l'entourent, comme l'excentrique Miss Anne-Gishuashuin. Ok. Chiant, inintéressant. On peut mettre des extraits de texte un peu intéressants et pertinents. Bien que l'on parlerait de l'identité humaine. Mais c'est mal écrit, ou tout du moins c'est mal traduit. Enfin, c'est mal traduit, c'est pas. Alors, qui suis-je finalement pour juger ? Bien, regardez qui nous gratifie de sa présence. Mais je suis toujours gelé, hein. Je gratifie de ma présence, mais je l'ai. C'est la présence, certes, mais refroidie. J'ai bien fait cette boîte, ouais, j'ai fait cette boîte, ouais. Bon, on revient au départ. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus à ajouter? Non. Donc on va. On a pris l'escalier, on a fait le top. En bas, on a fait la salle principale. On a fait le tour de la base, hein. J'ai l'impression que ce qui nous reste à faire, c'est l'extérieur maintenant de cette fameuse base. Oh, l'autre est fort, c'est très dur. Je crois qu'on l'aime pas, mais bon. Il fait extrêmement froid. Bon. On peut apporter tout ce qu'on peut. Exactement. Pour une fois, ça me fait. C'est marrant, j'ai l'impression pour une fois que la base est plus grande de l'extérieur que de l'intérieur. C'est très rigolo. C'est une sensation étrange. Dommage. J'avais vu un métal isolé tout seul au milieu de nulle part. Ok, donc on a ça. On a la zone d'atterrissage. On a renseignez-vous sur machin. Ok. La station déserte de desserte. On n'a pas l'air d'avoir quelque chose là-bas. On pourrait aller à l'autre structure. Est-ce que je vais à l'autre structure où je fais des mini-EP? Je sais pas. Oh, je suis parti pour y aller. Ah, faut sautiller pour économiser de la fatigue. Sautille. Sautillage. Sautillon. Sautillu. Tout ça, tout ça. On saute quoi? Du plomb. J'ai vu du plomb. Ah, de l'eau. Ah, de l'eau, on a déjà pris. Oh. Je sais pas, c'est normal qu'on se fatigue aussi vite. Alors, je sais que j'ai pas besoin de fournir rien, mais c'est juste pour remplir l'objectif. Hein. C'est... On récolte pour remplir l'objectif. Pour l'augmentation de niveau. On est déjà à 15 sur 20.
Il nous manquera plus que le troisième élément, je crois que c'est de l'hélium, je sais plus. Je crois que c'est de l'hélium. On va pas plus faire un crochet pour ramasser du plomb, faut pas déconner. La planète elle est en plomb quoi. Eh oui mais on se fatigue parce que la gravité aussi elle est 1,5 elle est énervée ouais, 1,58 même. On est plus proche du 1,6 que du 1,5. C'est bon. L'objectif est rempli. Bon, il n'y a plus qu'à trouver de l'hélium. Et on est bien. Analyse des ressources zéro. Comment ça? Fallait scanner le bout de métal là. Genre... On ne propose pas de scan de toute façon. Oula. Oula! Oula, le jeu il a pas kiffé. Affiche la ressource, ouais, super formidable. Ah, c'est de l'hélium d'ailleurs, c'est ça le dernier, on sait. Je le prends tant que je suis là. Hein. 178 mètres. Oh là là. Faut éviter de tourner avant de partir au travail. Hein. Je sens que je vais être un peu short. Ah ouais. Ah ouais, là c'est dur, hein. C'est dur de courir. Fusil de Paps, non. Ah le jeu quoi, insupportable, charge. Laboratoire Midridge Pharma abandonné. Moi, mon radar, il m'a dit qu'il y avait un squatter. On va faire une sauvegarde ici. Hein. Déjà, non, mais fais une sauvegarde rapide, ça ira très bien, gros. Voilà. Mais. Voilà, merci. Oh les zélotes de machin là. Où se l'est pris? Oh il se l'est pris dans l'œil celle-là. Dommage que je vais plus avoir de munitions de ce petit fusil là. Il va bien. Hein. Je peux pas le toucher là. Lui il peut mais moi je peux pas. Et tout. Il y en a loot.
Putain, je l'ai touché une fois. On pourrait utiliser un fusil de papa. Le fusil de papa, une garantie de satisfaction. J'arrive. Juste dépouiller les cadavres de vos potes. Et reprendre mon souffle dans ma lancée. Ah, je suis en surpoids. Ah. Du coup, je peux pas reprendre mon souffle. Ouais, bon, on va les allumer. J'ai 2000 cartouches de ce truc-là. On va y aller avec ça. Hein. Bon, qui me cherche? Ah non, ça c'est à moi, ça. C'est à moi. Oh non, t'es loin, hein. Oh, t'es chiant. Ça m'intéresse pas. Ça va faire la commando là. Voilà. C'est plus de charme. 4, 5. Ok. Ah, je suis rentré dans le gros direct. Ah ouais. Mauvaise idée. Y a du soin? Moi j'ai du soin. Faut 28 quoi. Et calme-toi le jeu, faut se détendre hein. Non, c'est niveau 20. C'est bon. Ça a battu. Saloperie de saleté, hein. Non, de moi, hein. Tout stade fouillis que vous transportez vous ralentit sérieusement. Non, c'est une illusion d'optique. Des gobelets vides, intacts. Oh, notre commerce vient d'augmenter, mais on va même pouvoir proposer des casseroles à la vente. Poste de cuisine. On peut rien faire là-dessus, mais on ne peut jamais rien cuisiner. Ça, pourtant, ça serait formidable. Après, j'ai pas ratissé toute la cuisine. Il y a peut-être de quoi faire. Des petits pains, des petits machins. J'ai pas mis, je sais pas sa cuisine en fait. Les gens ils arrivent à cuisiner des tranches de pain de nu, moi j'y arrive pas. Je suis insupportable. Est-ce qu'on peut réussir à cuisiner un truc? Oui, oui. Un sandwich alien. Et je peux en faire deux. Voilà. On peut augmenter notre carrière de cuistot. Ce qu'on va pas gêner à faire. Hein, de faire. À faire. Oh. On va pas gêner pour faire d'ailleurs, tout court. Tout me dérange, je vais arrêter avec cette tentative de phrase. Je suis un peu dans le pâté. Hein. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de jeu. On peut y jouer dans le pâté. Hein. T'es dans le pâté, t'es bien. Le gobelet,
Je vais y rater un gobelet. Du loot là. Valeur exquise et généreuse. Hein. Les extincteurs, bien sûr, pour laisser cramer les bases, c'est important. Répulsif calibré, choc soldat, chips. Oh là là, c'est un sac à dos. Je sais exactement ce que je fais. Je prends tout ce qui est utile et tout ce que le jeu m'empêche de prendre. Et je laisse tout ce que le jeu m'empêche de prendre, évidemment. Donc, attends, moi, les petits fauteuils de bureau, les bureaux entiers, hein, je désossais toute la planète, hein, y avait pas de problème. Hein. Y avait aucun problème. Hein. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk. Ouais, bah vie, coque après coque. Je crois que déjà lu. Hein. Au pire, aucun intérêt. Pire tout pire. Tech. On finit vite fait le petit tour de la base, puis je pense qu'on ira pas beaucoup plus loin. Bon, par contre, on va rien laisser, hein, comme d'hab, hein, bien sûr. Bien sûr. C'est vulgaire de laisser des choses par terre. Un coffre? Non, c'est pas un coffre, dommage. Est-ce qu'il y a des coffres au moins? Ah, c'est la lumière de trop. Il y a un ordinateur là à scanner, ça c'est sûr. Toc toc toc. On va en savoir plus sur la base. Rapport d'activité. Nous pensons que les propriétés de cette caverne ont conduit à la formation de champignons dotés de propriétés médicinales. Les spores consommés dans la grotte semblent réduire les inflammations de façon spectaculaire, mais nous ne pouvons pas en faire un produit commercial viable avant d'avoir trouvé un moyen de les stabiliser. Maintenant, les créatures qui vivent dans ces cavernes doivent être préservées. Notre théorie actuelle est qu'elles interagissent avec les spores d'une façon ou d'une autre pour créer une structure d'écosystème qui donne naissance aux propriétés que nous avons observées. Reste à savoir si nous pourrons parvenir à recréer cet écosystème dans un cadre industriel. Évidemment. S'il faut faire du pognon, avant tout. On pourrait sauver des vies. Ça fait pas de pognon, ça peut... Hein ? Ça c'est un casque. Un casque légendaire. Je trouve un casque de cultiste légendaire. Je vais peut-être changer de casque, enfin, qui sait. Hop là. Voilà, le loot. La pluie de loot. Vital, bien sûr. Vital, hein. Tout le loot est évidemment vital. Il y a qui pourrait se passer de cette petite fiole en 50 exemplaires. Pourquoi vous vous embêtez à transporter tous ces trucs ? Et j'en sais sans parler des 50 rouleaux de PQ, bien sûr. Vito, hein. Si vous pensez pas que c'est vital, c'est parce que vous avez pas connu le Covid. Ok. Vous savez pas ce que c'est de plus avoir de PQ. C'est terrible. Ouais, je me fais rire tout seul. Putain, je suis con. On fera derrière les vitrines après. Nettoyage du bureau central. Bureau central nettoyé. Des fioles. Oh, les fioles, en même temps, ça coûte si cher, hein. Ça rapporte tellement de pognon. Les grandes espérances. Notre famille. Ah ouais, non, mais ça, tu saoules. Je l'ai lu. Charles Dickens, ça n'intéresse personne. Lu. Ok. Tac tac tac. Pareil, j'ai pas demandé si jamais vous vouliez que je baisse un peu la qualité graphique, parce que bon, le jeu rame du cul, même si je pense qu'en baissant la qualité graphique, ça continuera à ramer du cul, mais peut-être moins. Ça sera peut-être plus supportable. Je sais pas. Bah c'est tout, il y a pas de coffre là-dedans, il y a rien. Il y a R. Mais je suis mortellement déçu.
suis déception. Ah mince. Eh ben... Ah mais non, on n'a pas fini. Il y a le bâtiment d'à côté. Ah, je dois commencer à être un petit peu trop lourd. Ouais, je suis un peu trop lourd. Ok. En même temps, je sais pas où est l'autre clochard. Donc j'aurais bien besoin à cet instant. Ok. Bon, donc on reprend notre souffle. Est-ce que... sac à dos, qu'est-ce qu'il dit sac à dos légendaire? Plus d'énergie. Très forte résistance atmosphérique et aux radiations. Allez, du coup, je perds toute ma résistance thermique. Je réduis les dégâts au corps à corps sur l'ancien. Le nouveau, c'est vétéran de combat. 15% de dégâts infligés par les humains en moins. Transport de ressources pèse 25% de moins. Et plus 5% de chance de désarmer les assaillants proches. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Rien que pour les histoires de poids. Est-ce que ça marche vraiment? Genre mon inventaire il a baissé. Pas l'impression. J'ai l'impression que je suis plus fait David qu'autre chose. Touk 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 touk. Je me balade dans le plus grand des calmes en ignorant complètement le fait qu'il y avait un gars en bas et qu'il peut tout à fait y avoir un gars dans ce bâtiment. Moi il faut que je crochette des serrures, hein. Faut que je crochette des trucs là. Hein. Faut me donner des trucs à crocheter. Hein. Allez, faut se motiver. Le jeu passe pas, il va me donner des trucs. Non, non, ça ne sert à rien, je n'ai rien droit de custom. D'ailleurs, je peux regarder le casque. Le casque. Le casque légendaire. Ah, beaucoup plus d'armure. Hein. Moi, je perds vraiment toute ma protection thermique si je mets ça. Hein. Et on voit plus ma sale tronche. Parfait. Les gens arrêteront d'avoir peur. Cadeau nul, et on prend tout. Oh cool. Ah, j'avais espéré que ça se crochette, mais non. Dommage. Salle au trésor. C'était méga super bien. C'est une petite sauvegarde rapide. Calovor. Petit serpent qui aime la chaleur là. Mince, on peut annuler mon truc. Et on sait qu'il reste encore un gars dans le bâtiment. Ah,
On aura fini avec un petit coup de douce de papa. Comme on dit dans le milieu. Non, on va se mettre sur le pistolet, tiens. Petit tour des extérieurs vite fait. Oula. Oula. T'es où toi, tiens? Tu t'en prends bien. Je suis pas allé sur Mars depuis. Oui, oui, vous voulez pas aller sur Mars. T'inquiète pas. D'ailleurs, ça serait bien qu'on lui parle avant d'aller sur Mars un jour. Hein. Elle a des cartouches, mais elle a des cartouches qui vont pas avec son. Pourquoi t'as deux types de flingues? Elle a deux types de flingues. Parce que. Voilà. Et toi, tu utilises des 1.5. Bah, garde des 1.5. Inventaire. Inventaire, on va te filer des ressources. Je suis quand même à porter plus du double de ce que je peux normalement porter. Allez, quand même pas déconner au bout d'un moment. Quand je vais faire le retour hors épisode, hein, ça va me prendre une journée entière. Je pourrai en revenir jusqu'au vaisseau, ça va être bien. Rien prendre? Non. Non, tu te dégoûtes. Non, tu te dégoûtes vraiment. Là, des clopes. Bon, bah, tu peux plus rien prendre. Ok. Ça me laisse quand même. Voilà, ça me laisse un peu plus de souffle. Et de vitesse de déplacement. Ok, très bien, impeccable. Et en plus, on est sur une planète à forte gravité, histoire de vraiment enfoncer le clou jusqu'au bout. Un ordi, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Bah, ouvrir la porte. Merci. C'est formule fort aimable à toi. Du pirate célèbre. Ah, on a peut-être pas lu ça, ça me dit peut-être rien. Ça me dit rien en fait. Ça me dit rien. Ça veut pas dire que ça me dit rien donc on l'a pas lu, mais. Il y a quand même. Je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement. Ouais, je suis d'accord, faut qu'on retourne au vaisseau. Oh, il y en a un de verrouillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, beaucoup là. Il y a de la gourmandise, hein. Je dirais que oui. Je me débrouillerai pour le reste. Voilà. Pas mal. Pas mal, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Si je prends plus un gars comme toi, là. Non. Un gars comme toi. Ok, j'ai. Et il me faut juste le 2 qui va là. On va les spéder. Bon. Au moins c'est dit, c'est fait. Ça descend encore. Pourquoi une entreprise pharmaceutique aurait-elle besoin d'un sous-sol relié à une caverne? Alors, parce qu'on l'a lu dans les textes et que en fait. En fait, elle exploite des champignons, cette entreprise. Elle se trouve être dans une caverne, avec des bestioles. Faudrait préserver. Mais... Cette grotte, ce sera pour un prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarfonction, comme d'habitude, Gaming, pour Starfield. Et je vous dis à l'année prochaine.